Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle de JD. Aujourd'hui, vidéo bonus du 29, non pas du 29, du 30 juillet. Je vais faire Splatoon 2, mais finalement il s'est passé autre chose. J'ai oublié de faire la vidéo, et puis finalement aujourd'hui il s'est passé autre chose. Je suis allé faire les courses et je me suis acheté un tout nouvel ordinateur portable pour remplacer celui-ci présentement. Je vous le montrerai à la fin. Donc, Faire une vidéo là-dessus. le mec est maintenant en vidéo. Génial. On recommence en trois. Comme ça, vous allez l'entendre dans la vidéo bien comme il faut. Donc, on va essayer d'ouvrir. Si je pouvais trouver une paire de ciseaux, ce serait nickel. On va prendre la clé. Et voilà. Donc avant de l'ouvrir, il y a des choses à respecter. Premièrement, là il y a des signes. Non, on ne boit pas de vin. On ne connecte pas des enceintes Bluetooth. Et on ne l'amène pas à côté d'un feu. Voilà. C'est une consigne comme acheter un portable. Donc, ok. Carrément, il y a déjà un manuel. Ah non, c'est même pas un manuel en fait. C'est juste une. C'est parce que tu ouvres la boîte, puis il y a ça, genre, tu sais. Ok. Tu sais, il me demande comment ouvrir le portable, comment le connecter. Merci, mais c'est parce que je sais déjà tout ça, tu sais. Pas besoin de me dire comment ouvrir le portable, mais je sais comment ça marche. Dans là, le portable, c'est pas pour changer ma tour, c'est pour changer le portail avec lequel je me filme présentement. Je tiens à le dire. Donc, de ce côté-là, on a le chargeur. Le chargeur est plus petit que celui-là que j'ai là, je pense. Ouais. Le bloc de chargeur de celui-là est plus petit que l'autre que j'ai avec celui-là présentement. Mais bon, c'est bien. Ça va prendre un peu moins de place quand je vais vouloir le connecter. Après ça. Bon, ben ça, c'est la suite du fil. Hein. C'est un fil un peu comme la Xbox. Ça, ça se relie. Et puis là, on sort la bête. Donc, c'est pas un portable gamer non plus, hein, c'est juste pour remplacer celui que j'ai là, parce que celui que j'ai là, il est vraiment en train de tomber en morceaux. Du styromousse. Et du styromousse. Puis ça, c'est. Ok. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas donné le CD du Windows avec. Ça, c'est un peu de dommage à cause de ça, parce qu'ils ne donnent pas. Chez Costco, quand vous achetez un ordinateur portable, ils ne vous donnent pas le disque du Windows avec. Donc, vous êtes obligé de vous débrouiller avec ça. Soit l'acheter, ou soit vous prenez un Windows que vous avez déjà. Hop là. Donc ça, c'est le nouveau. Voilà le nouveau portable. Tout beau, tout neuf.
Oh, ouais, ok. Ouais, là, par exemple, il y a des empreintes de doigts qui vont rester dessus. Ça, c'est un peu dommage. Waouh! Le clavier, il est juste protégé. Le clavier est très différent de celui avec lequel je me filme aussi. On va l'ouvrir. Non, il faut décoller là. Peux vouloir le brancher avant. Peux vouloir le brancher avant déjà. Là, je défais le velcro. Ils s'en foutent quand même de mettre du velcro autour. On va le brancher ici là. On va défaire le petit élastique. Je sais pas si vous êtes content d'un unboxing. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'unboxing sur ma chaîne depuis que j'ai console et ces affaires-là. J'en ai fait quelques-uns, mais je les ai pas toutes faites. J'espère que comme vidéo unboxing, ça vous plaît. On va le brancher. Hop là. Ok, c'est parti. Maintenant, on peut l'ouvrir. C'est bon, il doit l'ouvrir. Je ne sais pas s'il y a un mot de passe avec, je pense pas. Ça va peut-être d'aller en mettre un. Il est vraiment chargé, ce sera pas trop long. Ça fait genre 2 minutes que j'ouvre, mais t'as l'impression genre ça fait 3 heures, tu sais. J'ai l'impression que ça fait 3 heures qu'il charge. 3 heures. Ah, ça fait 5 minutes que j'ai ouvert, mais j'ai l'impression que ça fait 3 heures, tu sais. Donc, bon, il vient d'ouvrir, l'écran est bleu. Bon, ben ça je vais le faire vite parce que vous savez ce que c'est. Faut le configurer. Là, il demande dans le fond le pays, le continent. Je cherche Québec. Bon, il y a juste Canada, fait qu'on va le laisser Canada. On va le laisser Canada comme il n'y a pas le. On va le laisser Canada. Là, il est en anglais, Canada.
Si on voit de la web français au Canada, ce serait bien. Français Canada. Après ça. Bon, je pense qu'il faut mettre Canada. Voilà, next. Faudrait que configurer un ordi, c'est quelque chose. Donc là, en fait, je vais le connecter à Internet. Ça, c'est quelque chose de typique qu'ils font. C'est quand ils mettent des clés de réseau, tu sais. Les clés de réseau, c'est tellement long à marquer au pire. Hein. Tu sais, pour l'instant, ça va encore, mais il y a des clés de réseau qui sont tellement longs que ça te prend longtemps à aller rentrer, tu sais. Next. Voilà, vous voyez qu'il charge. Là, je vois, il faut que je le config. Donc, on va déjà utiliser l'option par utiliser les options qui sont déjà là. Comme ça, il va le. Comme ça, il va s'optimiser tout seul, tu sais. Tous les outils, les antivirus, va tout mettre tout seul. Parce qu'il est encore en anglais, je sais pas pourquoi. Hi! Va falloir que j'aille le mettre français, français, français. En tout cas, rendu là, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Dans les ordinateurs que je viens d'acheter, il y a un processeur Intel Pentium, je pense que c'est un i5, qui vend 1,6 GHz, un disque dur de 500 Go, 4 Go de mémoire de RAM, ben 4 Go de RAM, DDR3, Windows 10, un écran de 15,6 pouces. Puis pour le Bluetooth, des affaires, ça, c'est pas important. Je sais pas si cet ordinateur-là prendra les jeux Zelda. Déjà là, lui là, de toute façon, celui-là que j'ai là, et que je me filme, déjà il prenait pas. Fait que lui, je pense pas qu'il prenne plus. Mais j'avoue que celui-là, ça fait longtemps que je l'ai aussi, donc ce serait d'essayer. Mais il faut dire que le processeur, celui-là, il est pas fort non plus, tandis que celui-là, il y en a 4 qui vont à 1,60 peut-être, je sais pas. Faudrait que je vérifie celui-là, la config, là. En tout cas, ce qui est fun, c'est que je vais pas me continuer à filmer, parce que celui-là, il y a déjà ma cam, je pense qu'il y a un micro aussi. Ouais, bon, je dirais qu'il y a un micro, en tout cas, ça va être de regarder, sinon. Juste acheter un micro externe. On verra bien. On verra bien. J'avoue que ça fait bien qu'à la webcam, ok, ça fait bien. J'espère qu'il y a un micro intégré dessus. Puis ce qui est long, ce qui est fun avec les ordinateurs, c'est que. Ben, c'est ce qui est fun. C'est pas vraiment le fun, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec un ordinateur, quand t'achètes un nouveau portable ou une tour,
Il est tout le temps à changer, tu sais, il va faire ses affaires, il va marquer l'écran, dites-vous qu'on a votre nouvel achat, on installe les plugins, on installe les drivers, tout le temps. Il n'y a pas d'ordinateur qui fera pas ça. Mais tout aussi à la personne. L'ordinateur, quand c'est neuf, c'est ça. Mais par contre, je ne sais pas la carte graphique, je ne sais rien. Je sais juste à poster la carte graphique, on va être checké, on va regarder en même temps si l'écran pourrait être tactile. Un écran tactile, je détesterais pas ça, un écran tactile. C'est beaucoup de fun d'y aller à doigté, là, comme les DS. Ou encore les téléphones comme j'ai, là, les LG, tactiles. On va essayer Facebook en attendant. Il change encore, inquiétez-vous pas. Mais le PC a fini de changer, je vais vous le montrer. Il change encore. C'est vraiment là quand vous achetez un nouveau PC, c'est tout le temps comme ça. Tu sais, vous l'ouvrez au début, vous avez l'impression que ça fait 5 minutes, mais en fait vous avez. Ça fait 5 minutes que vous l'ouvrez, mais en fait vous avez l'impression que ça fait 3 heures. Tissu et papier avec non. La boîte, on va regarder. On va mettre un peu de boîte. Vu qu'on garde la boîte, mets-la dedans. Protéger ton PC si des fois il arrive de ça. Là, il dit encore juste un moment. Hein? Il change encore. J'ai pas fait une vidéo de plus d'une heure, mais ça continue même. C'est ça que ça va prendre. Ah, il demande un email, donc là je vais le. Je vais mettre mon vrai parce que j'ai mis un. Je vous ai mis un email sur Facebook si vous voulez m'écrire des messages, mais c'est un email erroné. En fait, c'est un email qui est vrai avec un mot de passe puis tout, mais l'email que j'ai, c'est pas le vrai que j'utilise, t'sais. Fait que c'est pour ça que. Parce que je sais qu'il y en a qui veulent certainement m'écrire, probablement. Vous, peut-être, je sais pas. Mais j'ai dit que. Ok.
Malheureusement, mon passe puis tout, ça fait que. Vas-y, dis encore juste avant, hein. Ah, là, il me présente Cortana. Vous avez l'intelligence artificielle, donc vous pouvez parler à Cortana quand vous voulez. Bon, attends, vous lui dites à Google, puis elle va vous ouvrir Google. Cortana est utile. Utilisez Cortana. J'aime bien. Bon. Installer une demande de registre, de remplir un registre avec nos noms, nos affaires. On va faire ça vite. JD, email. Une région. J'espère que si jamais quelqu'un, ils vont me mettre en français. Parce que quand tu marques Canada pour la plupart du temps, les autres c'est en anglais, fait que. Tu sais, y a des affaires, c'est Canada français, mais des fois c'est juste Canada, fait que tu sais pas s'ils parlent de Canada français ou anglais en fait. Juste un moment encore, il charge. Bon, on va-tu pas rentrer éventuellement? Aïe, encore aïe. Êtes-vous content de votre achat? Puis là, il va encore plaider 10 000 affaires. Réveillez-moi quand ce sera fini. Donc, c'est ça que je vous disais. Mon ordinateur va faire ça pendant je sais pas combien de temps. Mais il peut faire ça pendant 5, 10, 15 minutes, tout dépendamment de la lenteur ou de la vitesse. Mais il fait ça tellement de fois que vous avez l'impression que ça va durer des heures et des heures durant, que vous allez tellement être tanné d'avoir ça que vous allez péter encore. Que ce soit une tour ou un portable, ça peut durer longtemps comme ça. Il y a juste la couleur en arrière-fond qui va changer. Puis encore là, c'est juste un. C'est juste un petit éclipse de couleur, tu sais. Que des fois ça change. Mais je vous le montre pas parce que c'est pas intéressant. Que c'est long. Pendant ce temps-là, on va retourner sur Facebook. Ah, voilà. Ah, tu me dis. Faut pas avoir les gens, là.
Là, il y a un téléchargement à faire. Faut qu'il aille jusqu'à 100%. Mais ça va prendre du temps. Bah oui, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser. Puis, je vous présenterai plus en détail dans une prochaine vidéo, parce que là, j'ai encore quand même beaucoup d'affaires à faire dessus, fait que je vous présenterai plus dans une prochaine vidéo. Sur ce, là, ça va aller tout le monde. Peace.